Lors de la cérémonie d'ouverture vendredi dernier, les deux chefs-d'œuvre ont été présentés par des responsables du musée de l'Acropole et du musée de Shanghai. Une peinture à l'encre de couleur sur un rouleau de papier appelé « Voyage le long de l'eau claire » a été réalisée par l'artiste Wu Hong lors de la dynastie des Qing. Il accueille les visiteurs à l'entrée du musée de l'Acropole, qui se trouve au pied de la colline sacrée de l'Acropole à Athènes. À côté se trouve le Di Zhongjiang Pan, à l'intérieur duquel sont représentés des oiseaux aquatiques, des grenouilles, des tortues et des poissons. Il remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ et a été fait pour la princesse Di Zhongjiang et est considéré comme l'une des œuvres les plus importantes du musée de Shanghai. L'un des trésors est une plaque en bronze. Quand on la met dans l'eau, les petits animaux commencent à bouger. C'est une technique de fabrication vraiment puissante et intelligente. Le design est dynamique. Dans le cadre de la coopération entre les deux musées, deux trésors du musée de l'Acropole seront exposés au musée chinois du 11 janvier au 8 avril 2018. Lydia Konordiou, ministre grecque de la Culture et des Sports, a enseigné à Shanghai il y a plusieurs années. Elle a été impressionnée par la civilisation chinoise ancienne et les œuvres d'art splendides au musée de Shanghai. Elle a souligné l'importance des programmes d'échange culturel comme celui-ci. Je crois que l'exposition des deux trésors stimulera l'intérêt des visiteurs pour la culture chinoise. Ces expositions sont les premières des nombreuses étapes décrites dans leur accord d'échange culturel. Donc on peut s'attendre à ce que d'autres projets semblables soient mis en place sous peu.